Les femmes sont pas stables émotionnellement. Ben, les gos sont pas stables émotionnellement. Elles sont jalouses. Quand elles voient d'autres gos, elles agissent. Elles veulent montrer aux autres gos que t'es les gars. Ça, c'est comportement féminin en fait. Donc, quand toi tu te comportes comme elle, elle va te traiter comme sa copine. Les gars, c'est comment? Quand vous me voyez la grande bouteille d'eau, c'est dit que c'est sérieux. Voilà, c'est très sérieux ce que je vais vous dire aujourd'hui là. Il faut jamais laisser une go voir tes insécurités. Il faut jamais laisser une go voir tes insécurités. Elle te dit non bébé, tu peux me dire tout, tu peux pleurer, tu peux faire ci. Petit, elle ne sait pas ce qu'elle te dit. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de te dire. Parce qu'en fait, quand tu lui montres tes insécurités, ça la repousse. Elle perd plus d'attraction pour toi. Quand une go arrive à te rendre émotionnel, elle voit ça comme une faiblesse. Je vous dis la vérité. Si tu montes tes insécurités à une go, au début elle va te dire c'est tranquille, mais ça lui fait perdre de l'attraction pour toi. Et puis ça va faire qu'elle va utiliser ses insécurités là contre toi. Faut pas vous aller croire. Être jaloux, c'est une émotion. Être en colère, c'est une émotion. Les go là, souvent elles font exprès de faire des choses pour voir si tu es jaloux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Une fois que tu es jaloux, elle sait que tu es fan d'elle. Une fois que tu es jaloux, elle sait que tu es fan d'elle. Elle va commencer à utiliser ça maintenant. Et puis, comment elle utilise ça contre toi? Si elle fait, et puis elle prendra que tu es jaloux, elle va faire encore pire pour voir jusqu'à quel point elle peut en fait t'embrouiller, te faire sortir en fait de toi-même. Voilà, faut pas laisser une go te rendre émotionnelle. Faut pas laisser une go te mettre en colère, que ce soit ta go, que ce soit une go que tu dragues en fait. Je sais pas si tu comprends. Jouer le jeu en fait. Le truc c'est que même, je n'ai pas dit de ne pas être jaloux. Hein. Quand tu es fan d'une go, normalement tu es jaloux. Mais le truc c'est quoi? Le truc c'est de ne pas laisser ça paraître. Sinon, nous tous on est humains, on a des émotions. Il y a des go, je suis fan d'elle. Forcément, elle va me faire me sentir d'une certaine manière. Mais le truc, en fait, c'est de contrôler ces émotions-là. C'est ça. Il faut que tu contrôles. C'est tout ce qu'on dit être alpha, en fait. Voilà. C'est tout ce qu'on appelle être alpha. Contrôler, en fait, l'émotion. Contrôler ces émotions-là. C'est ça, en fait, qui est le vrai point, en fait. Voilà. Si tu ne peux pas contrôler tes émotions, en fait, tu es comme elle. Tu es comme elle, en fait. Les femmes ne sont pas stables émotionnellement. Ben, les gos sont pas stables émotionnellement. Elles sont jalouses. Quand elles voient d'autres gos, elles agissent. Elles veulent montrer aux autres gos que t'es les gars. Ça, c'est comportement féminin en fait. Donc, quand toi tu te comportes comme elle, elle va te traiter comme sa copine. Voilà, faut pas laisser paraître tes émotions. Même si souvent tu es ta petite et puis elle te dit il y a mon pote, il y a lui là, mais mes drague sûrement. Il y a lui là, mais mes drague sûrement. Petit, reste concentré. Petit, reste concentré. Et la plupart du temps, elle veut voir si ça te met hors de toi. Moi, la plupart du temps, il rit en fait. Puis même à la base, mais elle va te montrer que ceux pour qui elle n'a aucun intérêt. Sinon, les morts qu'elle aime bien, elle va te montrer leur conversation. Puis elle sait qu'eux, eux causent de tout et de rien et de beaucoup de choses. Vous voyez un peu, non? Donc, ne laissez pas une go vous rendre émotionnel. Elle va faire des tests. C'est ça, elle fait des tests. Quand elle te montre ça, elle est en train de te tester. Elle est en train de voir si tu as confiance en toi, en fait. Voilà. La dernière fois, je suis parti dans un restaurant. J'étais bien habillé, bien sapé et tout. J'ai mis un vrai parfum. Je suis rentré, il y a un gars qui était sago. Sago a commencé à me regarder, en fait. En même temps, le gars, il me regarde. Vous voyez un peu, non? En même temps, le gars, il me regarde. Il est capté, en fait. Il est capté que c'est pas Sago Miria qui me regarde, en fait. En même temps, il se lève, il envoie à la boutique.
bébé, faut prendre ça, hein. Jean, il veut l'appeler bébé pour qu'il sache que c'est sa go. Mais ce qu'il oublie en fait, c'est que quoi? La go, quand tu fais ça, moi, il n'y en a rien à foutre de ta go. Mais en fait, quand tu fais ça, elle capte que lui là, il n'est pas en sécurité, il n'a pas confiance en lui, il pense pas que je suis sa go en fait. En vérité, c'est pas ta go, mais actuellement, c'est ta go. Actuellement, c'est ton mouvement. Où on est là, c'est ton mouvement. Emora, regarde ta go. Fais comme si tu les as pas vus, c'est ton way. Tu mougou ta go, il mougou pas ta go en fait. Voilà. Si elle capte ça, elle va jouer ça. Plein devant. Et puis, le truc, c'est que, en fait, quand elle dit elle utilise ça contre vous, elle n'a pas prémédité d'utiliser ça contre toi. Elle fait même pas exprès en fait. Elle, dans sa tête là, un homme, il est fort émotionnellement. Quelle est la figure masculine en fait? La figure masculine, c'est celui qui défend. C'est celui qui est fort en fait. Donc quand tu lui montres tes faiblesses, tes émotions, elle prend ça comme une faiblesse et ça la repousse. Elle fait pas exprès. Elle se dit pas que lui, il m'énerve. Elle sait même pas en fait que quand tu lui montres tes insécurités, hein, tu es en train en fait de lui faire perdre de l'attraction pour toi. Elle sait même pas en fait. C'est inconscient, c'est inconsciemment en fait qu'elle perd cette attraction là pour toi. Check tes émotions. Check tes émotions. Une go essaie de te rendre jaloux. Elle essaie de te rendre jaloux. Tu ne deviens pas jaloux. Elle est énervée. Toi, tu la mets dans ses émotions. C'est comme ça que le game fonctionne, gars. Elle essaie de te mettre en colère. Tu ne te mets pas en colère. Elle se met en colère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme au foot en fait. C'est comme au foot. Tu les fais penser que tu t'en vas là-bas, non? Et puis tu passes ici. Voilà. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, elles sont là. Mais oh, lui là, même. Elle te comprend pas. C'est ça le game. Elle te comprend pas. Elle sait jamais où elle en est avec toi. Et quand elle sait pas où elle en est avec toi, c'est comme ça. Elle veut toujours découvrir. Et ce mystère, ça fait qu'elle est toujours là. Quelqu'un peut pas draguer ta go dans la rue parce qu'en fait, là, elle est trop busy, elle est trop occupée à vouloir résoudre toi ton énigme en fait. Les hommes masculins, ils attirent des femmes féminines. Les hommes qui ont des comportements féminins, de jalousie, d'émotion, de tout ça, ils attirent des femmes masculines. Si tu te comportes comme elle, elle va se comporter comme toi. Voilà, c'est ça le vrai point. Si tu te comportes comme elle, elle va se comporter comme toi. Il faut que tu puisses te gérer. Il faut que tu maîtrises tes émotions au max. Ouais, ça m'énerve, mais fais comme si ça m'énerve pas, je m'en vais. Tu maîtrises tes émotions. Puis ça me rend jaloux, mais il n'y en a rien à foutre. Je maîtrise mes émotions. Et puis la plupart du temps, si tu es jaloux, c'est parce que tu n'as pas d'autres go. Faut pas laisser les autres go. Faut pas laisser les autres go. Garde-les à côté. Parce qu'elles font pareil. Elles font pareil. Garde d'autres go à côté. Si ici ta petite go fait bizarre, tu les utilises comme support émotionnel. Elles vous font ça. Elles vous font ça, man. Voilà. Et c'est même pas d'aller en boîte à ta petite. Et puis dès qu'elle s'élève, tu vas l'accompagner aux toilettes. Ça montre que tu n'as pas confiance en toi. Il y a vécu plein de bails con. Où ça? Le Marocain, il me voit en même temps, sa petite go est là. Il est déjà au lit. Tu comprends pas. Reste tranquille. Quand il reste tranquille là, elle comprend pas, elle se dit lui, il n'est pas fort de moi, ça l'emmène à travailler plus. Mais quand tu es insécure, tu es bizarre, elle comprend, elle joue ça. On ne laisse pas les émotions paraître. On ne laisse pas les émotions paraître. Voilà, c'est ça. Laisse pas tes émotions paraître. Contrôle tes émotions, c'est ça être alpha. Contrôler ses émotions, même si je suis fâché, je ne laisse pas paraître. Si tu as quelque chose qui te fait mal, il faut en parler à tes amis. Garçon, voilà, si tu as quelque chose qu'il y a dans ta poitrine qui te fait quelque chose, faut en parler à tes amis garçons. Jamais, jamais, jamais à ta go. La seule fois où tu dois pleurer devant ta go, c'est que ton papa est mort. Sinon, s'il y a quelque chose, on pleure pas, tu pleures en secret, tu pleures derrière, elle doit pas savoir. C'est ça la figure masculine. Comme je dis toujours, si tu te comportes comme elle, elle va se comporter comme toi. Y'a foi les gars, vous connaissez, non? Buvez de l'eau. Voilà. On est ensemble. Ton. Ton.